Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Apple vient de sortir la version iOS 16.0.2 pour corriger tous les gros bugs de iOS 16 que vous avez rencontrés. Hier, c'était la sortie de iOS 16.1 bêta 2 et aujourd'hui, on passe à la version iOS 16.02. Ça se passait avant-hier. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Comme d'habitude, pour vérifier si votre iPhone bénéficie de cette mise à jour, vous allez dans Réglages, Général, et vous allez tapoter sur Mise à jour. À ce moment-là, votre iPhone va vous présenter si l'iOS 16.02 vous est offert. Regardez ici, une fois qu'on rentre dans Mise à jour, la mise à jour, voilà, elle est là. Écoutons ensemble ce que cette mise à jour va vous apporter. Mise à jour logiciel, en tête. MAJ automatique, télécharger uniquement, bouton. Cette mise à jour apporte des correctifs et des améliorations importantes liées à la sécurité pour votre iPhone. Elle résout notamment les problèmes suivants. Puce. L'appareil photo pouvait vibrer et entraîner la prise de photos floues avec certaines apps de tierces parties sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Puce. L'écran pouvait être totalement noir durant la configuration de l'appareil. Puce. Les opérations de copier-coller entre les apps pouvaient entraîner l'affichage de demandes d'autorisation superflues. Puce. VoiceOver pouvait être indisponible après un redémarrage. Puce. Corrige un problème pouvant provoquer l'absence de réponse de l'écran tactile sur certains iPhone 10, iPhone 10R et iPhone 11 après une réparation. Fin de la liste. Voilà, comme vous l'avez compris, Apple vient de sortir cette version iOS 16.02 à installer de toute urgence si vous aviez donc des bugs avec, par exemple, le copier-coller avec VoiceOver. Lorsque vous avez éteint votre iPhone, vous aviez un bug où VoiceOver ne parlait plus. Alors surtout, n'hésitez pas, foncez, allez faire cette mise à jour. Elle est super importante. C'est vraiment une mise à jour très urgente à faire absolument si vous avez ces bugs. iOS 16 a été vraiment une version très buggée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous-même vous rencontrez encore beaucoup de bugs. La version iOS 16.1 bêta 2, je vous ai fait la vidéo hier, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, elle aussi est quand même assez stable, elle n'a pas trop de bugs. Si vous avez installé la version iOS 16, par contre, installez tout de suite cette version iOS 16.02 en toute urgence. N'hésitez pas donc à vous abonner, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime, c'est ce qui m'encourage à continuer et à vous faire encore plus de contenu. Et c'est ce qui encourage l'algorithme de YouTube à faire monter la chaîne et la vidéo. Merci à vous et à très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous.